Non, il est bon parce qu'il y a 18 mois, il y avait plus de club à Massy quasiment, donc on savait, on partait un peu dans l'inconnu au niveau de l'équipe, au niveau des objectifs. Alors, on a visé nous ensemble les playoffs, mais on savait que déjà un maintien serait déjà bien. Donc, on arrive encore à accrocher les playoffs, donc la saison elle est réussie. Hein. Oui, complètement. Elle a raison, c'est que. Puis même vis-à-vis, on va dire, des joueurs qu'on avait perdus la saison dernière, on aurait pu se dire que ça allait être compliqué de rapprocher les playoffs et, parce qu'on fallait être aussi objectif sur l'équipe qu'on avait. On savait que c'était peut-être un petit cran au-dessus au niveau de l'attaque et tout, et au final on a réussi à bien mener nos matchs durant cette saison et on finit dans les playoffs. Donc, oui, forcément, mais c'est en plusieurs étapes parce que déjà il y a le match aller-retour à gérer qui est comme aucun autre match avant. Donc c'est vraiment des matchs très particuliers. Donc il y a déjà celui-là à bien négocier et à essayer déjà de se passer ce tour-là. Et une fois passé ce tour-là, on verra sur la suite. Mais dans un premier temps, c'est bien se concentrer sur le match aller-retour qu'on va jouer la semaine prochaine. Ouais, on va pas griller les étapes. Hein. On va dire qu'on va aller en demi. Il y a deux gros matchs là. On sait que ça va jouer sur des détails. Ça va être l'équipe qui va faire le moins d'erreurs qui va se qualifier. Hein. Le niveau là de 1-6 à 1-7, c'est pas le même niveau. Donc ça va jouer sur rien. Donc déjà essayer d'aborder ces deux matchs plein d'envie. Pas avoir de regrets, quoi. Faut se donner à fond. Et si on passe, tant mieux. Si on passe pas, bah, c'est pas grave. L'important c'est de tout donner. Si jamais il y a la victoire au bout, il y a la qualif. Ce sera tant mieux. S'il n'y a pas la qualif mais qu'on s'est battu et qu'on a l'impression d'avoir tout donné, on va être fier de nous quand même, je pense. Si on perd contre plus fort, il y a moins de regrets. Ça montre qu'en fait, dans le championnat, tu as zéro marge. Si tu n'es pas à 100%, si tu ne t'aimes pas à 100%, tu ne gagnes pas les matchs, peu importe contre qui tu as joué. Si tu joues le dernier qui a 7 points ou le deuxième, si tu n'es pas prêt à combattre, et à te donner à 100%, tu perds le match. Et c'est pas une question de niveau de jeu, c'est pas... Je sais qu'on n'a pas... Il y a forcément un relâchement quand tu es qualifié. Là, nous, on se projette sur les playoffs, on a tous envie de jouer les playoffs. Donc, si pour jouer les playoffs, il ne faut pas être blessé. Il faut arriver à trouver une juste mesure entre donner pendant le match pour gagner et préparer correctement les playoffs et ne pas se blesser. Et c'est vrai que c'est pas évident, donc forcément, il y a un relâchement. Tu joues contre des équipes en plus qui sont... qui ont fini leur saison, qui sont complètement relâchés. Nous, on arrive avec ce petit relâchement qui est inconscient parce qu'on a parlé dans les deux matchs qu'on savait que ça allait être un match piège. On savait ce qu'il allait falloir faire pour essayer de s'en sortir. C'est après ce genre de match où tu n'arrives pas à maîtriser grand-chose parce que toi, tu es un peu moins bien. L'autre équipe en face, elle est relâchée, elle fait un super match. Difficile à gérer comme match. Quoi. Mais c'est sûr que ça manque de ne pas pouvoir vivre surtout les fins de match et les victoires avec le public. En fait, c'est ça qui nous manque le plus. On espère peut-être avoir du public sur les playoffs. Ça pourrait être sympa. Voilà, c'est tout ce qu'on peut souhaiter nous, pour la fin de saison, c'est qu'il y ait un peu de monde et offrir un peu de spectacle en vrai pour les gens. En fait, je ne veux pas te cacher que j'ai hésité à continuer parce que j'ai quelques soucis physiques en ce moment qui font que je ne sais pas comment je vais être l'année prochaine. Mais j'ai encore au fond de moi l'envie de jouer. L'année prochaine, il y a beaucoup de départs, de mouvements et il y a un nouveau cycle qui va s'installer. Et ça n'aurait pas été dommage, je pense que j'aurais arrêté. J'ai vraiment à cœur là, de repartir avec lui, de me donner à 100% pour l'équipe parce que je pense que j'ai encore des choses à amener. Donc, je suis heureux de replonger encore, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je vais partir vraiment à 100% dans le nouveau projet qui va s'installer l'année prochaine. Mon plus beau souvenir d'équipe, je dirais, c'est les deux semaines de Valence à domicile et le match suivi à Nîmes pour la montée en D2. Ouais. C'était quelque chose vraiment d'incroyable en termes d'ambiance, de vie de groupe. Et en fait, on a joué le match contre Valence ici qu'on gagne.
On n'était pas encore sûr à 100% de monter, mais on savait que, tous on savait que c'était c'est bon. On savait qu'on avait gagné à Nîmes, qu'on était, c'était fait quoi. Et on a vécu pendant deux semaines, c'est vrai que c'était incroyable. Et puis c'est de là que tout est parti en plus, parce qu'on arrive à monter en D2 du coup. Et depuis, Massy, on est toujours resté en D2 depuis là quoi. Donc cette saison, je crois que c'était mal barré. Le match de la fin. On est cinquième, ben on dit c'est foutu. On fait 9 victoires de suite pour arriver à monter. Donc je crois que c'est, au niveau de la charge émotionnelle à la fin de l'année, c'était exceptionnel.